fais tout péter. Allez, sors de ta maison là. Eh, 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 encore avec tout le monde, chacun. Non, mais dans le bunker, non? T'as des tas. Ouais. Moins 30. Oh, derrière moi. C'est William, j'en ai vu des fils de pute, j'en ai vu. Et toi? Et toi? T'es quand même. Parce qu'on a été élevé à bonne école. À Saint-Cyr, en 82. Oh les gars! Voilà! Ah non, mais attends, oh, parce que, attends, parce que maintenant faut qu'il règle son micro et tout, les gars. Donc ça, il a réussi. Pas... Hein. Est-ce qu'on m'entend là? Oh là là, ah, là 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 là! Il est beau, ça va Guigui? Bonsoir à tous! Oh mais quelle qualité exceptionnelle japonaise que tu nous envoies là! Les gars, nous avons Ichiban! Rapan, les gars, Ichiban Rapan! C'est Rapan! Oui, c'est pas Japan, c'est Rapan! Il est 3h du matin, je vous explique comment je suis arrivé là, moi en gros. Attends, t'as la voix cassée comme si t'avais bien bu là, c'est vrai ou pas ça? Bien chanté! C'est déchiré l'enfoiré! C'est déchiré! Ouais, hier soir j'ai passé une soirée assez longue. Ouf! Mais donc je vous explique, j'étais là, 3h du mat, je me dis bon, je vais me coucher, qu'est-ce que je fais avant de me coucher? Je vais me pignoler un petit peu. Voilà, donc, ah, normal, normal, normal. Je vais sur Twitter, je vais voir les photos de mon ex. Normal. Et là, sur Twitter, qu'est-ce que je vois? Nouveau live, Mr. B-Boy avec Jojo. Je me dis, bon, quand même, je vais aller voir ce que ça donne. Et puis voilà, oh, voilà ici. Après 30 minutes à galérer pour installer ce truc de merde là, je suis là pour vous poser la question que je voulais vous poser. Parce qu'en fait, c'est parce qu'on peut pas mettre de message si ça fait pas un... C'est quoi, c'est une heure. Bah là, le temps voilà. Que tu trouves comment installer TS, t'aurais déjà pu poser ta question, mais voilà, y a pas de normalement, c'était bon. Donc, les gars, on va se parler clairement. je le connais par cœur. Alors, quel est l'endroit où vous avez fait, l'endroit où vous avez fait l'amour le plus exotique? Ah, l'amour, pas une... Non mais attends, dis branlé quand on même. On commence parce que... par l'amour. Ouais mais Loulou, il l'a jamais fait, frérot. On peut pas le juger. C'est un petit jeune. Ouais, et c'est un petit jeune. Il attend la perle rare. Ouais, il a 25 ans, il attend la perle rare, tu vois, c'est normal. Ouais, normal. Quelle est votre branlette la plus intense alors? Le lieu, tu veux le lieu ou tu veux quoi? Dis-nous, ouais, dis-nous. J'ai des lieux improbables. Loulou, tu dois répondre à cette question. Loulou, ta meilleure branlette c'est où? Dis-nous. Non, l'endroit le plus insolite, Loulou. Allez, on doit savoir. Loulou, il faut que tu saches. Il faut qu'on sache. Il y a bien une branlette où à la fin t'as dit waouh. Non mais il y a bien un endroit. Il y a bien un endroit où t'étais ému. Ah, partout, j'en ai même sur mon propre visage, mais j'ai vraiment. Les gars, je suis. Oh non, en fait, la vie de ma mère! En fait, alors moi j'ai deux branlettes. La première, j'étais assez jeune, mais bon, ça j'ai déjà raconté quand on s'est fait au Japon, mais ça m'est arrivé une fois de me branler dans la rue. Alors. C'est quoi ce délire là? Et en fait, j'ai fait la technique de la manche. La manche morte. Manche morte? Ouais, bah c'est un gain dessus, tu peux pas comprendre. Ah, ouais, oui! Mais c'est une technique japonaise, gros, tu connais pas, c'est un truc. Mais c'était pas du tout pour aller mater des filles, quoi, c'était pas pervers, hein. C'était vraiment. En fait, quand tu découvres la branlette, t'as envie de te branler partout, tu sais. Bah oui, normal. Bah, oui. Loulou, il est encore dans cette phase. Tu dévales les escaliers en te branlant, tu vois, tu fais plein de choses comme ça. Et par contre, une autre branlette, c'était très récent. Et ça, c'est pas un endroit, mais c'est juste un mood, en fait, un ressenti. Et c'est véridique, et c'est pour vous vraiment. J'aimerais sensibiliser tout le monde sur les bienfaits de la branlette. Ouais. Donc en fait, c'était l'année dernière. J'étais un peu stressé et tout. J'étais pas dans une bonne période, un peu triste et tout. Et j'étais à l'hôtel tout seul. Envoyez des balles derrière les potes. Vas-y, donc forcément quand on est tout seul à l'hôtel, généralement bah la branlette est obligatoire, hein. c'est dans le tarif. Hein. Bah bien sûr, faut profiter de la salle de bain et tout, tu vois, c'est normal. je me suis fait une branlette somme toute classique. Voilà, rien de spécial en soi. Sauf que ensuite, juste après, j'étais en train que je bouge et que j'allais prendre le train chez Kansai et tout. Et donc je sors. Et je me rappelle, j'étais à Nagoya, en sortant, donc il était, c'était fin d'après-midi, 17h, un truc comme ça. Et là, en sortant, je venais vraiment de me vider la verge, hein. Et là, je vous promets, j'ai vu le monde d'un œil différent. Et vraiment, c'est-à-dire que je me suis dit... Et en fait, parce que juste avant de me branler, bien sûr, quand je pensais à l'hôtel, j'étais là, j'avais un regard un peu de sauvage. Ouais, un peu sauvage et morbide, tu vois. Voilà, et ensuite, je suis sorti de cet hôtel, vraiment soulagé, et en fait, je regardais les gens qui passaient, donc notamment les filles, etc., je les regardais avec un œil protecteur, plutôt. Tu vois, genre, j'espère que...
Mais qu'est-ce qu'il raconte, wesh ouais. J'espère que votre vie se passe bien, j'espère que vous êtes heureuse dans la vie et je vous souhaite le meilleur. Tu vois, sans aucune mauvaise pensée. Il est adorable, il est adorable. Le Japon, d'accord. Alors là, c'est comment là? Ça fait combien de temps que t'es là-bas d'ailleurs? Pour ceux qui... Alors, ceux qui connaissent pas, les gars, c'est Ichiban Japan, allez voir ses vlogs. Il visite le Japon de fond en comble, largeur, longueur, tout ce que tu veux. Les onsen, hein, il aime bien avoir les couilles à l'air avec ses potes. Voilà. C'est ça le plaisir, les gars. Le plaisir passe par les choses simples, les gars. Ichiban Japan, allez voir vraiment, c'est pour moi, et je fais pas le suceur, mais c'est pour moi le meilleur vlog. Non, mais il faut dire la vérité, il faut dire la vérité. Combien de fois tu reviens en France à peu près là, c'est par an, voilà, c'est pour que deux, les gens. Deux fois à peu près. Là, je reviens pour Japan les Expo. Après les populaires. Tu reviens pour la Japan Expo, c'est quand déjà? Ouh. Rappelle les dates. Moi, j'arrive le 2, je pars le 20, donc je vais rester 3 semaines. Mais Japan Expo, ouais, c'est 7 ou 9, un truc comme ça, je sais pas. 7 ou 9 quoi, juin? Juillet. Juillet, donc tu reviens pour la Japan Expo et tu reviens pour quel événement souvent? Après, non, sinon, c'est pour l'anniversaire de ma maman. D'accord, oh, voilà. Oh, ça, c'est le petit plaisir. Branlez-vous s'il vous plaît d'ailleurs sur la branlez-vous bonne Branlez-vous dans le chat, voilà. Vous avez le droit de vous branler devant l'écran là maintenant tout de histoire suite, hein. Que vous ayez des choses à raconter après, voilà. Et donc attends, non parce que les gars, il y a quelqu'un qui s'échappe un peu trop de la conversation initiale. Effectivement, la branlette là. C'est Louliane de Gonfreville. Il a cru Loulou, ça, Loulou. L'endroit le plus insolite où tu t'as lâché la sauce, si je puis me permettre. Nous dis pas t'as fait que sur ton lit devant ton PC ou autre. Arrête. Ouais, t'es un mytho. Ouais, tu mytho là, Loulou. On l'a tous déjà fait en cours ou tu vois, un truc comme ça. Attends, le bureau de la principale sur son bureau. Non, voilà. Prof de maths. Loulou, bah oui, on l'a tous déjà fait dans le salon devant les parents, Loulou. Tu peux voilà. Non. La salle de bain, c'est l'endroit le plus insolite? Bah ouais. T'as une vie comblée, toi, d'Ivoire, non? La salle de bain, d'accord. Et j'espère, c'est qui prenait ça à la douche après? J'espère que t'as nettoyé le sol, hein. Parce que ça doit être bien dégueu. T'as visé l'évier ou la baignoire, Loulou? T'as visé l'évier? Est-ce que t'en as reçu dans les dents? Sur les dents. Est-ce qu'un jour tu t'es automis sur le visage? Non. T'as fait remplir encore une fois, fais chier. Voilà, non mais quand c'est très intense, on sait jamais les gars, hein, tu sais. Ça peut arriver les gars. Guigui, ouais, t'as d'autres petites questions savoureuses un peu ou pas? Bah les autres, j'aimerais bien savoir, tout le monde tout quand mort. Même, niquez vos c'est déjà branlé, je sais pas, tant que tu disais en cours, même je sais pas, dans une tente de camping ou je sais pas, tu vois, les trucs. Moi je l'ai fait dans les chiottes d'un TER une fois. Dans les chiottes d'un TER? Ouais, d'un TER intercité, ouais. C'est la seule fois que je l'ai fait, gros. J'en pouvais plus. Putain, en plus, y a non mais gros, mais à ce point-là, il y a le Jojo le Yeti qui nous dit, pour son cinquième mois, moi c'était à côté d'un pote qui dormait. Oh là, c'est chaud. Oh bah gros, eh, s'il en pouvait. Ouais, là c'est tendu par contre, gros. S'il en pouvait. Fais-le au moins tout seul, quoi. Enfin, ou alors, ou alors, bah non. Si son pote il veut spignol avec, il se branle. Ah, oui, si c'était de la bise sexuellement, pourquoi pas après Après, en soi, s'il dormait et qu'il en a eu aucune frérot, idée, c'est pas grave. Les gars, ça. Moi j'ai déjà fait à côté d'une pote qui dormait par contre. Elle est au courant ou pas? Elle est au courant? Elle est au courant? Je lui ai dit après, avec un sourire, je l'ai regardé, je lui ai dit, tu sais ce que j'ai fait hier. Ouais, d'accord. Elle dit ouais, je suis au courant, j'en ai encore plein les cheveux. Hey, Guigui, par contre, ce que je voulais te demander, est-ce que t'as eu de véritables histoires, des véritables histoires d'amour au Japon avec des petites japonaises qui parlent pas du tout français? Oui, bien sûr. Il m'est arrivé des dingueries aussi. Ouais. Alors ouais, il m'est arrivé un truc, ça je peux le raconter hein, si vous voulez. Oh bah on n'insiste pas, mais si tu veux le raconter, vas-y, il n'y a pas de... Alors, tu vois, donc ça c'est une histoire sale. En fait, pendant un moment, mais c'était il y a plusieurs années, c'est avant que je vienne m'installer au Japon. Alors, il y a une idée qui m'était venue en tête de faire une vidéo où je j'ai raconte... J'ai tellement peur de ce qu'il va dire à chaque fois. Où je raconte les expériences vraiment assez chaudes qui me sont arrivées. Okay. Mais au final, ça m'intéresse pas de faire ce genre de truc. Mais voilà, j'avais vraiment une anecdote très sympa à raconter. Ça date d'il y a 4 ans, un truc comme ça. J'étais en voyage. Ouais. Et puis, je vais dans un bar. C'était pour une vidéo en plus que j'ai tourné Rallye de la Bouffe à Osaka. Donc voilà, je fais le tour des endroits. Ah, c'est bien, il y a un petit historique vidéo derrière. Ça veut dire que si on retrouve la vidéo Osaka, on sait que c'était pendant cette période. Voilà, donc en gros, dans cette vidéo, en gros, je passe une journée à goûter plein de spécialités de la ville d'Osaka, qui est une ville vraiment connue pour sa cuisine. Et donc en fait, dans cette vidéo, donc, je goûte plein de spécialités. Et à un moment, je fais une pause en allant dans un club. Et puis, je bois pas mal. Et après, un club, c'est-à-dire bourré. C'est une boîte, quoi. Et donc, je ressors ensuite de cette boîte un peu bourré. Entre temps, donc, je suis dans cette boîte. Et puis, je rencontre la serveuse, qui est assez mignonne. Et puis, on discute bien. Et moi, je suis au bar. Elle me sert plein de verres, etc. à la suite. Et puis, voilà, on sympathise bien. Et après, je chope son line. Donc, en gros, le line, c'est l'équivalent de Facebook au Japon. Pour garder contact, etc. Ensuite, on se revoit après. Plusieurs fois, c'est plusieurs petits dates et tout. Et puis, forcément, donc ça se finit à l'hôtel. Donc, on va à l'hôtel un soir. Et donc, voilà, donc deux fois de suite. Tout se passe bien, tout très bien.
Ensuite, moi, je rentre en France. Et déjà, elle m'avait menti sur son âge. Tu sais, elle avait déjà fait un peu la mytho. Et elle m'avait dit qu'elle avait 22. En fait, elle avait 19. D'accord. Bon, ça passe. Ouais, bon, ça va. C'est bon, c'est bon. Ouais, là, jusque-là, rassure-moi, on est dans la légalité. On est dans la légalité du début à la fin de l'histoire. Non, bien sûr. Le problème, c'est qu'ensuite, je rentre en France. 6 jours après la première fois, donc la première nuit qu'on a passée, elle m'envoie une photo sur Line d'elle avec un test de grossesse positif. Oh, mais est-ce que tu connaissais le fond de pourquoi pourquoi faire ça, Bah pourquoi faire ça? Justement, après, c'est après que je comprends un peu plus, tu vois. Mais d'accord. Donc j'explique l'histoire. Donc elle m'envoie ça. Je dis, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible. 6 jours, c'est pas possible. Il a vu flou. Elle me dit si. Elle me dit, je veux pas le garder, donc je veux faire l'avortement. Mais pour ça, il faut que tu me payes. Enfin, il faut que je paye l'équivalent de 1 000 euros. Et donc, il faut que tu payes pour moi. Ok. Donc, pourquoi elle voulait gratter des lovés, quoi? Voilà. Je dis, écoute, si c'est vraiment moi, pas de problème, tu vois, je le ferai, mais j'ai besoin de. Enfin, là, ce que tu me dis, 6 jours après, c'est chaud, quoi, ça peut pas être moi. Puis elle me dit, mais si, au Japon, on peut savoir facilement, etc. Ils ont des meilleurs tests. Ouais, ouais, les gars. Et après, m'envoie une photo d'échographie 13 jours après. Non, mais c'est pas possible, bah oui, bah oui, non mais là. Ah, t'as pris pour un fils de pute. Là, t'as pris pour un fils de pute, si je peux me permettre. Et donc là, ensuite, donc, j'ai vu une copine, une japonaise qui est sur Paris, je lui ai raconté l'histoire, et puis elle m'a écrit un long message en japonais qui explique, écoute, si c'est moi, j'assume, etc. Mais là, c'est pas possible. T'es peut-être vraiment enceinte, mais c'est pas de moi, donc c'est pas à moi non plus de payer les trucs, quoi. Ouais. Et elle m'a dit, ok, je t'envoie tout demain. Et depuis, j'ai jamais eu de réponse. C'est bizarre ça, parce que. T'as pris pour le bon français. Non, mais c'est. Mais justement, c'est pas dans la mentalité entre guillemets japonaise de faire des trucs comme ça. Donc.